Bonjour, aujourd'hui nous allons apprendre à créer une boutique en ligne avec WordPress et WooCommerce pas à pas. Nous allons voir comment vous procurer un hébergement web nécessaire pour créer et mettre en ligne votre boutique, comment personnaliser le design, créer un produit, catégorie, mettre en place des livraisons, recevoir des paiements, etc. Des simples produits physiques au contenu numérique réservé aux membres, vous pouvez vendre ce que vous voulez avec WooCommerce. Tout d'abord, rendez-vous sur aws.fr. En choisissant notre société de près de 20 ans d'expérience, vous avez l'assurance de faire travailler du personnel qualifié uniquement basé en France. Vos données seront également stockées sur nos serveurs en France. Choisissez un pack d'hébergement web indispensable pour publier votre boutique en ligne sur Internet. Choisissez entre la gamme débutant d'hébergement mutualisé ou la gamme professionnelle VPS, serveur virtuel privé, pour les plus gros projets e-commerce. Choisissez votre formule en fonction de vos besoins. Si vous créez votre première petite boutique, la première formule vous suffira sûrement, pour le moment, et vous pourrez toujours évoluer vers une formule supérieure depuis votre espace client. Si vous prévoyez déjà de lancer une grande boutique ou de migrer votre site e-commerce d'envergure chez AWS, nos serveurs privés virtuels satisferont vos besoins. Dans cet exemple, nous allons choisir un best-seller, un hébergement mutualisé tout inclus, conçu et optimisé pour WooCommerce. Choisissez ensuite un engagement entre 1 mois et 2 ans, nos tarifs sont dégressifs. Je continue ma commande. J'enregistre un nom de domaine, en effet le nom de votre site est offert la première année. On arrive sur le récapitulatif de votre panier. Validez la commande. Choisissez un moyen de paiement, carte bancaire, votre solde prépayé si vous en avez un, ou encore PayPal. Une fois votre commande effectuée, vous allez recevoir vos identifiants de connexion AWS Panel par mail. Indiquez vos identifiants. Nous allons installer WordPress avec WooCommerce. Pour cela, rendez-vous dans le AWS Auto-Install. De nombreux systèmes de gestion de contenu e-commerce sont installables en un clic. Ici, nous montrons l'exemple de WordPress plus WooCommerce. Installez-le d'un simple clic après avoir rempli les différentes informations demandées. Choisissez si vous voulez installer votre site à la racine de votre nom de domaine ou dans un répertoire ou sous-domaine. J'ai déjà fait un tutoriel PrestaShop à l'adresse tuto-video.fr/presta, alors dans ce tuto, je vais reproduire le même schéma. Mais si vous ne créez qu'un site sur votre domaine comme la plupart des gens, installez WordPress à la racine. Enfin, on choisit la base de données sur laquelle les données de votre site seront stockées. Vous pouvez en créer d'autres depuis votre panel AWS, rubrique MySQL. Vous pouvez d'ores et déjà visualiser le modèle de site installé par défaut à l'adresse que vous avez indiquée, ici dans le répertoire WooCommerce de mon domaine. Comme vous pouvez le voir, d'un simple clic, vous avez installé WordPress et le plugin WooCommerce. Difficile de faire plus simple. À la suite de cette installation, vous avez dû recevoir vos identifiants WordPress par mail. Connectez-vous au back-office en cliquant sur le lien indiqué et en entrant votre identifiant et mot de passe. Il se peut que la dernière version de WordPress et WooCommerce ne soit pas installée. Pour y remédier, cliquez simplement sur les boutons de mise à jour. Elles se feront automatiquement et en quelques secondes. Ça, on va le remplir, mais avant, si vous avez le cadenas rouge en haut à gauche avec une mention non sécurisée, c'est que votre certificat SSL inclus gratuitement, permettant de passer votre site en HTTPS et donc de sécuriser vos transactions, n'est pas activé. Normalement, dans votre espace client AWS, dans la rubrique SSL, votre certificat est activé. C'est donc WordPress qui bloque cela. Pour forcer le HTTPS, installez l'extension WordPress Really Simple SSL. Et activez-la. Actualisez votre page. Un cadenas fermé et la mention HTTPS, symbolisant la sécurité des transactions, rassureront vos visiteurs. Cliquez sur la section WooCommerce pour accéder au plugin permettant de créer votre boutique. Le dashboard vous permet de visualiser les données de magasin en un coup d'œil. Le total des ventes, commandes, retours, etc. Vous avez divers graphiques pour suivre l'évolution de votre boutique. WooCommerce ne prend aucune commission sur vos ventes, ce qui rend cette solution encore plus abordable. La configuration des paramètres de votre site WooCommerce s'effectue dans cette rubrique. Les réglages principaux sont accessibles dans ces différents onglets, on les parcourra tout à l'heure. Tout d'abord, dans l'onglet Général, vous pouvez indiquer votre adresse, préciser dans quel pays vous souhaitez vendre, où vous souhaitez livrer, etc. Activer ou non la TVA. En France, par exemple, vous devez cocher cette case pour vendre vos produits avec la TVA. La devise « Je veux vendre en euros sur mon site », le signe euro « Je le veux à droite de mon prix ». Vous pouvez personnaliser les séparateurs et décimales, mais là ça me va très bien. Et on n'oublie pas d'enregistrer. Si vous désirez un autre thème de site que celui installé par défaut dans votre formule AWS, vous pouvez vous en procurer dans la rubrique « Apparence, thème ».
On en a déjà quelques-uns ici, la plupart sont compatibles avec WooCommerce, mais certains sont plus conçus dans cette finalité que d'autres. Vous pouvez trouver d'autres thèmes gratuits en cliquant sur Ajouter. On peut en chercher un dans les plus populaires, par exemple. Vous pouvez aussi en trouver en indiquant un mot-clé comme Store pour chercher les modèles plus spécialement conçus pour l'e-commerce. Storefront, par exemple, est une référence des thèmes e-commerce pour WordPress. Moi, je vais rester sur Suite Base, mais Storefront est très bien. Pour chacun des thèmes, vous pourrez les personnaliser par la suite en ajoutant vos images, vos textes, etc. Il y en a pour tous les goûts et tous les projets. Dans ce tuto, nous allons garder le thème installé par défaut. Il est parfaitement adapté aux différentes tailles d'écran, ordinateur, tablette, téléphone portable. Mais si vous ne trouvez pas votre bonheur, vous pouvez également en acheter sur une plateforme comme ThemeForest, elle propose des thèmes spécialement conçus pour WooCommerce. Nous allons commencer à personnaliser la boutique. Tout d'abord, rendez-vous dans Apparence, Personnaliser. Parcourez les différentes rubriques pour customiser votre site. Il existe une version premium de ce thème WooCommerce avec plus de fonctionnalités. Vous pouvez l'acheter en cliquant sur le bouton Go Pro. Vous obtiendrez par exemple la possibilité de personnaliser plus d'éléments, l'accès à des animations CSS, etc. Vous pouvez modifier le nom de votre site, le slogan, le favicon, icône du site que vous voyez dans les onglets du navigateur. Ici, on nous demande une image de 512 par 512 pixels. Pour créer mon favicon, je peux utiliser Photoshop ou un logiciel similaire. Dessinez votre logo ou téléchargez-en un gratuitement sur Favicon par exemple. Importez l'image dans WooCommerce. Enregistrez et actualisez votre page. Vous pouvez voir que votre favicon est bien visible ici. Vous pouvez modifier la couleur d'arrière-plan ici. Vous pouvez ainsi mettre votre site aux couleurs de votre charte graphique. Là, je vais rester sur quelque chose de sobre et épuré. Il est aussi possible de mettre une image en arrière-plan en sélectionnant une image de votre ordinateur ici. Vous allez créer un menu, l'assigner à un emplacement et y ajouter des éléments de menu tels que des liens vers des pages et catégories. Pour l'instant, on n'a pas créé de catégorie de produits, alors je vais laisser la page shop pour le moment. Si votre thème a plusieurs zones de menu, vous pourriez avoir à créer plus d'un menu. Ici, ce thème peut afficher des menus sur deux emplacements. Ajoutez votre logo ici. Sur ce thème, il faut la version Pro pour personnaliser le logo. Vous pouvez alors soit l'acheter ou choisir un autre template gratuit qui le permet. Ici, vous n'avez accès qu'au nom textuel de votre site. Quelques options de personnalisation ne sont accessibles qu'en version Pro. Vous pouvez toujours changer de thème, mais cela est fortement déconseillé si vous avez déjà importé vos produits, images et que vous avez déjà beaucoup travaillé sur un thème, car vous devrez sûrement refaire, régler et adapter beaucoup de choses. Dans l'onglet WooCommerce, catalogue de produits, vous pouvez choisir ce qui sera affiché sur la page principale de votre site, les produits, les catégories ou les deux. Faites de même pour les pages de catégories de produits. Sélectionnez le tri par défaut de vos articles dans le catalogue, par popularité, moyenne des notes, date et tarifs. Choisissez combien de produits vous souhaitez afficher par ligne et combien de lignes de produits par page. Si je réduis les lignes, voilà ce que ça donne. Je vais laisser sur 4. Réglez la taille de vos images produits dans cet onglet. Ici, je vais laisser les mêmes tailles d'images. Mais j'ai envie que les miniatures soient affichées en format carré, je choisis donc le ratio 1:1. Soyez vigilant sur la configuration des dimensions de vos images. Une fois modifiées, vérifiez que les images de vos produits s'affichent correctement aussi bien sur les pages produits que sur les pages catalogues, etc. Dans l'onglet Validation de commande, modifiez l'apparence de la page de validation de commande de votre site. Indiquez les champs optionnels, obligatoires ou cachés. Je laisse l'astérisque pour indiquer les champs obligatoires. Les pages politiques de confidentialité et conditions générales de vente notamment ne sont pas créées. N'oubliez pas de les remplir avant de publier votre site. On sauvegarde et on va retourner sur la page des réglages. On avait rempli cela mais nous n'avions pas parlé des autres onglets présents. Dans la rubrique produits, vous pouvez sélectionner la page de votre boutique, pas forcément la page d'accueil, ce n'est d'ailleurs pas forcément recommandé. Vous pouvez par exemple avoir un site dont la page d'accueil explique votre activité, les promotions en cours. Cette page peut rediriger via un bouton vers la partie vente sur une autre page.
Elle répertoriera tous vos produits et catégories. Si vous n'avez pas de page dédiée pour votre boutique, vous pouvez en créer une dans la rubrique page, mais normalement WooCommerce en crée une par défaut. Faites la structure de vos URL dès le début, cela risque d'être plus compliqué par la suite. On ne devrait jamais les changer sur un site en production. Dans les réglages les plus courants, on retrouve la structure des liens standards d'un site WordPress, les articles et pages de type blog. Ce n'est pas ce qui nous intéresse le plus ici. Vous pouvez aussi personnaliser les URL de vos étiquettes et vos catégories si vous voulez. On arrive dans la partie la plus importante, qui concerne vos produits. Par défaut, les liens des pages produits sont constitués de votre nom de domaine, du répertoire dans lequel se trouve votre boutique, et du nom de votre produit. Si vous voulez par exemple faire apparaître la catégorie dans laquelle se trouve votre produit dans le lien, choisissez le troisième permalien produit. Si on crée un site de chaussures par exemple, et que vous avez une catégorie sneakers dans votre boutique, le lien ou URL d'un produit ressemblera à www.votrenomdedomaine/votrecatégorie/votreproduit. Retournons dans les réglages produits. On peut choisir comment le site va se comporter quand un visiteur va ajouter un produit dans son panier, les rediriger vers la page du panier ou les laisser sur la page qu'ils sont en train de visiter. Ici, pour l'exemple, on va cocher l'option de redirection automatique vers la page panier. Indiquez les unités de poids et dimensions en fonction de la taille de vos articles. Ici, pour les chaussures, je vais opter pour les grammes et les centimètres. Si je vendais des échelles, par exemple, je choisirais plutôt l'unité de mètre. Activez ou désactivez la possibilité à vos clients de laisser un avis sur vos produits. Ici, on va dire que oui. Afficher acheteur certifié lorsque le fait que le client a vraiment acheté ce produit est vérifié. Oui. On peut limiter les commentaires uniquement à ceux qui ont réalisé un achat vérifié. Activer ou non la note donnée par le client sur l'avis. On enregistre. Allons dans l'inventaire des produits. Je vous conseille de toujours activer la gestion du stock lorsque vous vendez des produits physiques. Cependant, pour les produits numériques, vous n'aurez sûrement pas besoin de gérer des stocks. On peut choisir une durée pendant laquelle le stock est maintenu, c'est-à-dire le temps après avoir cliqué sur Ajouter au panier, pendant lequel un produit en stock est réservé à un client. En laissant cocher les notifications, vous recevrez un email lorsque vos stocks sont faibles ou en rupture de stock. Indiquez la boîte mail sur laquelle vous voulez les recevoir. Vous indiquez ici ce que veut dire un stock faible pour vous, à partir de 5 articles restants par exemple. La rupture de stock 0, c'est approprié. Choisissez ou non de cacher les articles en rupture de stock. Non. On peut afficher le nombre d'articles restants pour les visiteurs. Il vaut mieux le mettre parfois, ça peut précipiter un achat, un client ne voulant pas forcément attendre un restock pour se décider. On enregistre. En cliquant sur le lien produits téléchargeables, vous pouvez choisir la méthode de téléchargement des fichiers que vous vendez, des produits numériques comme des tutoriels, e-books, etc. Là, je vais laisser sur forcer le téléchargement. Rendez-vous ensuite dans l'onglet TVA. Les taxes peuvent être un sujet délicat, mais WooCommerce rend leur configuration simple. Indiquez si vous entrerez vos tarifs toutes taxes comprises ou hors taxes. Je vous conseille de laisser en hors taxes, surtout pour les produits numériques, comme l'acheteur payera la TVA de son pays. Ça simplifiera vos calculs. Il ne s'agit pas du tarif que vos clients verront, mais le tarif que vous rentrerez sur vos fiches produits. Le calcul de la TVA peut être basé sur l'adresse de livraison ou facturation du client, ou encore de l'adresse de base de la boutique. Là, je laisse ça comme cela. Ici, vous pouvez déterminer la classe de TVA de livraison à définir, ou choisir de laisser de manière à ce que la TVA de livraison soit basée sur les articles du panier. Je vais laisser cette dernière option. On a plusieurs classes additionnelles des TVA par défaut, un taux réduit et un taux zéro. L'affichage des produits dans la boutique. C'est le prix que verront vos visiteurs sur votre site, en TTC ou hors taxe. Le tarif indiqué dans le panier et la page de commande, je vais mettre TTC. Le suffixe d'affichage des prix peut être utilisé pour ajouter la mention TVA incluse, après le tarif indiqué sur vos produits, si vous choisissez d'indiquer vos tarifs TTC sur votre site. Comme cela, vos clients sauront qu'ils n'auront rien d'autre à payer que le prix indiqué, et frais de port s'il y en a. Affichage des totaux de TVA détaillés, oui. On enregistre les modifications. Vous devrez configurer les différents taux de TVA ici. Par exemple, pour la France, le code pays de la France est FR, le code État aussi. La ville, pas besoin de le mettre dans cet exemple. En France, la TVA est de 20%. Je vous invite à vous renseigner sur le taux actuel. Je vais nommer cette TVA, par exemple, TVA 20. Choisissez si oui ou non, il s'agit d'un taux cumulable et si elle s'applique aussi aux frais de transport. Vous devrez faire ceci pour les différents pays dans lesquels vous souhaitez vendre. On enregistre. La TVA au taux réduit de 5,5% est applicable dans certaines situations. Et le taux zéro sur certains produits.
Dans l'onglet Expédition, associez des méthodes d'expédition à des régions géographiques. Selon l'adresse de livraison du client, des méthodes de livraison lui seront proposées. Par exemple, je crée une zone pour la France métropolitaine, avec une méthode par forfait. J'enregistre et passe à la gestion des paiements. J'active PayPal en un clic. Je peux le déplacer dans la liste pour changer l'ordre d'affichage de ce paiement sur mon site. Je désactive les paiements par chèque, par exemple. Je peux configurer mon nouveau moyen de paiement PayPal très simplement. Nous verrons ça plus précisément plus tard. Vous pouvez gérer les moyens de paiement que vous accepterez sur votre boutique comme vous le souhaitez. Dans l'onglet « Compte et confidentialité », vous pourrez indiquer vos préférences concernant la création de compte client. Par exemple, vous pouvez autoriser vos clients à commander sans créer de compte, faire une commande invitée. Vous pouvez donner la possibilité à vos visiteurs de se connecter pendant la commande s'ils ont déjà un compte. Ça, je le laisse activer. J'autorise mes clients à créer un compte au cours de la validation de leur commande. Pas forcément depuis la page « Mon compte », je préfère les laisser le créer au moment de leur commande. Je génère automatiquement un identifiant pour le client et le mot de passe aussi, pourquoi pas, les clients seront quittes de créer un mot de passe trop simple. Si un client demande un effacement de ses données personnelles, je choisis de cocher la case pour qu'elle soit automatiquement supprimée. Je peux ajouter des explications sur la politique de confidentialité, elles s'afficheront sur les formulaires de création de compte. Je peux aussi rediriger vers une page dédiée à ces explications. Choisissez le temps durant lequel les données personnelles de vos clients seront conservées, c'est-à-dire les comptes inactifs, les commandes en attente, échouées, annulées, terminées. Laissez les options vides pour les conserver indéfiniment. Dans l'onglet email, retrouvez un listing des différentes notifications envoyées à votre adresse mail et à vos clients. Une nouvelle commande a été passée, une commande a été annulée, a échoué, est en cours, est terminée, remboursée, une facture a été reçue, un nouveau compte a été créé, etc. On peut, si on veut, désactiver des emails, par exemple la commande en cours. Je clique sur « Gérer » et je décoche la notification par email. Moi, je la garde pour me préparer à l'éventualité d'un envoi de colis. Les icônes avec le check indiquent que ce sont des emails automatiques. Au contraire, cette icône indique que cet email est envoyé manuellement. Dans l'onglet « Avancé », définissez les pages où seront envoyés vos utilisateurs pour commander. Par exemple, la page « Panier ». Elle est en anglais, mais vous pouvez la renommer dans la rubrique « Page ». Donc, la page « Carte », « Modifier », j'indique mon titre et j'enregistre. J'actualise et c'est mis à jour. Faites de même pour les pages validation de commande et mon compte. Si ces pages n'existent pas, cliquez simplement sur créer et indiquez juste le titre. Profitez-en pour faire la page des CGV, les conditions générales de vente, où sont fournies les informations d'un fournisseur à son client. Vous écrirez vos conditions ici. Ces obligations légales sont très importantes. Faites en sorte de ne pas avoir d'ambiguïté. En plus des CGV, vous devrez créer des mentions légales et la politique de confidentialité. Renseignez-vous bien sur la juridique et mettez tout en place pour être en règle. Je vous conseille de passer par un avocat, un juriste, quelqu'un qui s'y connaît bien, pour rédiger tout cela pour vous. Vous pouvez aussi en rédiger grâce à des sites spécialisés. Par exemple, je cherche « Créer un site e-commerce conforme ». Vous pouvez aller sur Captain Contrat, par exemple. Bien sûr, ça a un certain coût. Je retourne dans les réglages avancés. Nos pages ont bien été traduites. J'indique ma page CGV. Si vous vendez en France, il est préférable de traduire les terminaisons ajoutées à vos liens de page pendant le processus de commande. Par exemple, Order Pay devient Paiement. Vous pouvez faire cela pour tous les liens ci-dessous. Et enregistrer. Il y a d'autres réglages accessibles ici, mais en tant que débutant, vous n'en aurez pas forcément besoin pour le moment. On va survoler quelques autres rubriques. Par exemple, dans WooCommerce, Commandes pour recommencer. Lorsque des commandes seront effectuées par vos clients, elles s'afficheront ici. Vous pouvez aussi en ajouter manuellement. Alors, la date de création, en ce moment, en attente de paiement, oui. J'indique le produit commandé ici, mais vous n'aurez sûrement pas ancré à la main. Les clients feront leurs commandes à partir de votre site et elles apparaîtront automatiquement dans la liste. On peut créer des codes promo dans l'onglet dédié. Créez un nouveau coupon en cliquant sur « Créer votre premier code promo », je le nomme, par exemple « Rentrée 2020 » et une description si vous voulez. Choisissez le type de remise, une remise en pourcentage, une remise en euros, dollars ou autre sur l'ensemble du panier du client ou sur un produit en particulier. Moi je vais choisir la remise en pourcentage, par exemple moins 25%. Je choisis si la livraison est offerte lorsqu'on utilise ce code et une date d'expiration si vous voulez.
Les restrictions d'usage, encore une fois, tout est explicite. Vous pouvez choisir un montant minimal de commandes à partir duquel le code promo est valable, s'il est actif sur un article déjà en promo, sur quel produit ou catégorie le code promo fonctionne, etc. Dans les limites d'utilisation, on peut faire en sorte qu'uniquement 100 personnes puissent profiter du code par exemple. Sur combien d'articles du panier, combien d'utilisations par client, pas qu'une personne profite plusieurs fois de la remise, etc. Dans la rubrique client, vous retrouverez un tableau avec les différentes informations personnelles de vos clients. Nom, prénom, date de la dernière connexion, d'inscription, âge, email, commande, argent dépensé sur le site, pays, région, ville, code postal. Dans l'onglet rapport, vous allez pouvoir visualiser vos statistiques. Là, tout est à zéro, comme le site est nouveau, mais dès vos premières commandes, vous verrez apparaître des graphiques. Vous pouvez choisir une période, vos statistiques sur un an, un mois, des jours particuliers. Il y a des statistiques sur tout, vente par produit, par catégorie, nombre de clients, stock, TVA, etc. Réglage, on a déjà vu. Dans État, c'est plus technique, vous pouvez y vérifier si tout fonctionne bien sur votre boutique. Si vous avez à contacter le support de WooCommerce, il y a des informations utiles à leur donner, accessibles à cet endroit si vous êtes confronté à un problème. Vous pourrez y vérifier par exemple la version de votre WordPress, la place que prennent vos données, les extensions actives, les erreurs. Ici, on peut voir qu'une nouvelle mise à jour est disponible pour notre thème. On a encore d'autres onglets plus techniques ici si vous en avez l'utilité. Dans les outils, vous pourrez notamment régénérer les miniatures de la boutique et mettre à jour la base de données. Enfin, l'onglet extension permet d'accéder à la place de marché officielle WooCommerce qui dispose de centaines d'extensions gratuites et payantes qui ajoutent des fonctionnalités très utiles à votre boutique. L'achat de plugins peut revenir relativement cher, même si cela coûtera toujours moins cher qu'un développeur web à temps plein. Par exemple, on a un système d'abonnement pour que vos clients puissent s'abonner à vos produits ou services et payer de façon hebdomadaire, mensuelle ou annuelle. Un système de réservation ou encore d'adhésion. Pour analyser en profondeur votre site, vous pouvez installer l'extension Google Analytics. Je vous conseille de le faire, c'est gratuit et cela vous aidera à analyser les actions de vos clients sur votre site et ainsi augmenter vos revenus. Les extensions sont rangées dans des catégories ici. Si vous ne cherchez que des extensions gratuites, vous pouvez les trier sans difficulté. Passons aux choses sérieuses. Nous allons créer nos catégories et ajouter nos produits. On a déjà des produits par défaut, vous pouvez tout supprimer pour les recréer de zéro si vous voulez. Idem pour les catégories. Pour en ajouter une, rien de plus simple. Je choisis un nom. Dans ce tuto, on a dit qu'on vendait des chaussures. Je vais créer des catégories telles que hommes et femmes. On peut aussi créer des sous-catégories en indiquant la catégorie parente. On écrit une description, certains thèmes WordPress l'affichent. Vous pouvez choisir une miniature de catégorie en insérant une image de votre ordinateur ici, mais ce n'est pas nécessaire. Enfin, je clique sur Ajouter. Ma catégorie est créée. Je crée juste la deuxième. Je vais rajouter une sous-catégorie pour mon produit d'exemple, sport, catégorie parente, femme. Ajouter. Autour des produits maintenant. Pour ajouter un produit, cliquez simplement ici. Écrivez son nom, au hasard Shoes Performance, sa description, par exemple ceci. On remplit les données produits là, on indique le type de produit, produit simple, produit groupé, produit externe affiliation ou produit variable. En général, vous serez amené à créer des produits simples. Je peux indiquer qu'il s'agit d'un produit virtuel, comme un service, ou téléchargeable comme un e-book, tutoriel, fichier. Indiquez un tarif régulier et un tarif promotionnel si vous souhaitez appliquer une réduction. Tout à l'heure, dans les réglages onglet TVA, on avait indiqué qu'on saisissait les prix hors taxes, alors c'est ce qu'on va faire ici. Mais vous pouvez toujours retourner dans ces réglages et mettre TTC. WooCommerce calculera automatiquement le tarif hors taxe. Dans mon exemple, mon produit coûte 69,99€ généralement, et en promo au tarif de 54,99€. J'indique que mon produit est taxable par la TVA à un taux standard. On peut aussi ajouter d'autres taux qu'on a configurés avant, comme le taux réduit à 5,5% et le taux 0. Dans l'inventaire, indiquez l'UGS, l'identifiant unique de chaque produit ou service vendu sur votre site. Par exemple, pour ma paire de chaussures, ça peut être chaussures sport femme-Nike Perf. Je pourrais retrouver ce produit sous cette appellation dans mes statistiques. Gérer le stock, oui, pour des produits physiques c'est mieux. Par exemple, je peux dire que j'ai 30 paires en stock pour ce modèle. Autoriser les commandes en réapprovisionnement. Ici, je peux choisir d'autoriser ou non les clients à commander un article qui n'est pas en stock. Alors, ne pas autoriser, autoriser avec une notification client, autoriser.
Pour ne pas me compliquer la gestion de ma boutique, je laisse en non autorisé. Quand il n'y a plus de stock, le client ne peut pas commander. Le seuil de stock faible, par défaut on a 5, mais on peut estimer que pour certains produits, un stock faible c'est 20 ou 2 par exemple. Vendre individuellement, en cochant ça, j'empêche mes clients de commander deux paires de chaussures identiques en même temps. Pour l'expédition, j'indique le poids de mon produit en grammes, ses dimensions en centimètres. Cela permet de calculer les coûts d'expédition. Envoyer des chaussures n'est pas aussi cher qu'envoyer un vélo, par exemple. Dans les produits liés, on peut renseigner une montée en gamme, c'est-à-dire les produits recommandés à la place de celui-ci, une paire de chaussures avec de meilleures finitions à un prix plus élevé, par exemple. Les ventes croisées sont des produits que vous mettez en avant dans le panier, basés sur le produit actuel. Dans la rubrique attributs, on va pouvoir enregistrer des attributs, des variantes de produits. La pointure de notre paire de chaussures ou sa couleur notamment. On va donc aller dans Produits, Attributs pour en créer, après avoir enregistré ce brouillon. On peut voir qu'il y a déjà un attribut Color, je vais juste le traduire. On a déjà noir, bleu, vert, modifié ou supprimé comme bon vous semble. Je crée un nouvel attribut pour la pointure. Ajouter un attribut. Ensuite, on clique sur Configurer les termes. Pour un site de chaussures, je devrais sûrement ajouter près d'une vingtaine de pointures. Pour l'exemple, j'ai juste créé une taille 38, 39 et 40. On retourne dans nos produits. Je modifie ma dernière fiche article. Je choisis l'attribut de taille. J'indique les pointures disponibles ou clique sur tout sélectionner. Ensuite, optimisez au mieux le référencement de votre page avec Yoast SEO. Par exemple, je veux que mon site soit bien référencé lorsque quelqu'un cherche chaussures femmes pas chères. Je visualise ici ce que rendra l'aperçu de ma page sur mobile et ordinateur. L'analyse SEO vous suggère des améliorations pour améliorer votre référencement. Ici, je vois qu'il manque du contenu sur la page. Vous pouvez aussi remplir la description courte en dessous. Elle correspond à cette ligne dans mon thème. Classez votre produit dans une ou plusieurs catégories. Indiquez des étiquettes ou mots-clés qui peuvent être utiles pour le référencement. Agrémentez ensuite votre fiche produit de photos. Ici, il n'est pas indiqué de taille recommandée. Pour la connaître, allez sur votre site, clique droit sur l'image, inspecter, et ici je vois qu'elle fait 1000 pixels par 1000 pixels. Il faut donc que j'importe une image de cette taille au moins pour ne pas qu'elle soit floue une fois importée sur le site. Dans la galerie, vous pouvez mettre des photos de votre produit sous d'autres angles notamment. Je publie le produit et je vais voir ce que ça donne sur mon site. J'actualise et vais sur la fiche produit. On a toutes nos infos, on a même la mention promo quand on applique un prix réduit. Par contre, il est juste indiqué les pointures ici, mais on ne peut pas en choisir une. Je retourne dans ma fiche produit. En fait, dans le cas où le produit est disponible dans des variantes, il ne faut pas sélectionner produit simple, mais produit variable. Dans l'attribut, je n'oublie pas de cocher utiliser pour les variations. On enregistre. Dans la rubrique variations, je crée des variations pour tous les attributs. Allez. Nos différentes pointures sont maintenant listées ici et lorsqu'on clique dessus, on peut préciser plus de choses. On peut personnaliser l'UGS différemment selon les pointures ou couleurs si on veut. En dessous, si on ne change pas les valeurs, elles restent comme ce qu'on a indiqué pour le produit parent. Mais vous pouvez personnaliser des caractéristiques pour chacune des variantes. Si vous voulez mettre les plus grandes pointures plus chères, vous pouvez par exemple. Généralement, ça ne se fait pas trop, mais si vous vendez des chaussures avec des motifs collector rares, vous pouvez les vendre plus chères que les autres. Tout dépend ce que vous voulez. Une fois que tout cela est terminé, enregistrez et retournez sur votre page produit. On peut voir qu'on peut maintenant sélectionner une pointure. On peut l'ajouter au panier. Ici, je peux choisir la quantité voulue. Ajouter le code promo qu'on a créé tout à l'heure. Comme on n'a pas mis de date, il fonctionne tout le temps. Je calcule les frais d'expédition. Je suis bien en France, mise à jour des totaux. Je peux enlever les informations sur le côté gauche si voulu. Elles ne servent pas à grand chose ici. Pour cela, je clique sur modifier la page. Dans les attributs, je sélectionne pleine largeur. Je mets à jour et je retourne sur ma page. C'est plus épuré maintenant.
Je valide la commande. On arrive sur le formulaire de commande. Vous pouvez faire la même manip pour enlever la partie gauche si désiré. On indique nos informations personnelles ici pour la facturation. On a un récapitulatif à droite, mais on peut voir qu'il n'y a que le moyen de paiement PayPal disponible. Toutefois, on l'a activé, mais on ne l'a pas configuré. Cela ne fonctionnera pas. Vous pouvez remédier à cela pour que vous puissiez commencer à vendre sur votre boutique. Retournez dans les réglages. Avant toute chose, il vous faudra créer un compte PayPal, en précisant bien que c'est un compte business. Et dans WooCommerce, vous indiquerez votre mail PayPal, votre jeton d'identité PayPal, éventuellement vos informations d'identification API. Pour tester les paiements, activez le bac à sable PayPal. PayPal prend 2,90% de commission et 35 centimes par vente. Vous pouvez proposer à vos clients de payer par carte bancaire. Certaines plateformes vous feront moins de frais et tout le monde ne comprend pas forcément le principe de PayPal et préfère payer en indiquant leur carte. Pour ajouter des passerelles de paiement, allez dans Extensions, Ajouter. Si vous tapez Credit Card, vous aurez déjà quelques solutions comme Molly. Ce plugin est gratuit mais prend 25 centimes et 1,2% du montant de la commande par transaction carte bancaire. Vous avez aussi Stripe qui prend des commissions très similaires sur les cartes européennes. Pour le configurer, allez d'abord sur leur site créer un compte. Suivez les étapes et connectez votre compte bancaire pour récupérer l'argent. Activez l'extension Stripe sur WordPress. Allez dans ces réglages. Stripe est activé. On est encore dans une phase de test, mais une fois que vous serez prêt à vendre, vous indiquerez vos clés Stripe ici. Des réglages sont modifiables, là je laisse ça comme ça et j'enregistre. Une fois que vous aurez bien tout configuré, ces passerelles de paiement visibles dans votre formulaire de commande seront fonctionnelles. On n'a pas encore parlé des transporteurs nécessaires pour envoyer vos colis. Dans les extensions, je cherche transporteur, carrier en anglais. Vous avez ainsi plusieurs extensions vous permettant de livrer et suivre vos colis. Boxtal Connect est un bon plugin. Il permet d'être mis en lien avec de nombreux transporteurs populaires comme Colissimo, Mondial Relais, Relais Colis, Chronopost, FedEx, UPS, etc. Vous serez quitte de vous casser la tête avec d'innombrables extensions uniques et vous perdre dans vos contacts avec vos transporteurs. Là, vous pourrez tout gérer au même endroit. La configuration de vos livraisons sera ainsi simplifiée. Lorsque vos premiers clients commanderont et que vous souhaiterez générer des factures PDF, cherchez un plugin qui permet de le faire en cherchant Invoice Facture en anglais. WooCommerce PDF Invoice and Packing Slips est très bien. C'est l'extension de facture la plus populaire, 200 000 installations actives. On installe et on active. On va dans les réglages. Vous pouvez lancer l'installation de configuration pour vous aider à prendre en main le plugin. Vous pourrez notamment choisir entre le format A4 ou lettres pour vos factures. Les thèmes WordPress, en tout cas les plus populaires pour sûr, sont responsives. Ils sont aussi bien adaptés sur ordinateur que sur tablette et mobile. Comme vous pouvez le voir, le site s'ajuste en fonction de la taille de l'écran. Vous êtes maintenant prêt à vous lancer dans la création d'une belle boutique en ligne fonctionnelle et efficace avec WordPress et WooCommerce et l'hébergeur de site web LWS. Nous vous souhaitons une belle réussite dans vos projets et à bientôt pour une prochaine vidéo.